Alors, pour la recette des cacahuètes enrobées de sucre, ou chouchou, ou caramel, nous avons tout simplement besoin d'arachides, de sucre et de l'eau. Voilà, c'est très simple et rapide, super, super facile et rapide. Donc, dans un premier temps, voilà, je vais griller les arachides pendant un quart d'heure à feu doux, c'est-à-dire à basse température. Voilà, je mélange, je remue. Voilà, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les cacahuètes restent croquantes, sont bien grillées. Ensuite, je vais rajouter du sucre et de l'eau. Voilà, c'est fait. Je mélange. Je continue le mélange pendant un petit quart d'heure jusqu'à ce que le sucre puisse caraméliser et se cristalliser. Voilà, vous allez voir, ça va être super rapide. Là, à ce stade, le sucre s'est bien caramélisé. Et avant que le sucre se cristallise, je vous conseille de retirer la casserole carrément du feu, ou alors couper le feu carrément et continuer le mélange hors de la chaleur pour éviter que le sucre que ça brûle, en fait, pour éviter que ça brûle. Bon, voilà, c'était, ça y est, mes cacahuètes enrobées de sucre, mes caramels sont prêts. Voilà, je vais laisser refroidir. Vous pouvez continuer le mélange, hein, voilà, le temps que ça se refroidisse. Et voilà. On va laisser refroidir et conserver ensuite dans un bocal. Et voilà, c'est prêt. C'était la recette du jour. Les cacahuètes enrobées. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.